Bonjour. Nous remercions le Seigneur pour le soleil, ce beau soleil. Bonjour, soleil. Un oiseau. Bonjour. Alors, comment vous allez? Je sais que vous allez super bien. Je vais vous enseigner sur la prière. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas prier. J'ai une dame qui m'a fait un témoignage hier, elle me dit, elle a demandé un lavage. Je crois que c'est son troisième lavage qu'elle fait. Et elle me dit, ses yeux sont tellement en train de s'ouvrir que si ce que j'enseigne, si elle avait su ça plus tôt dans sa vie, elle ne serait pas là où elle est. Il y a beaucoup de choses que je fais sur la page ici. Parfois, je crois que vous connaissez déjà. Donc, cette nuit, j'ai fait un rêve où le Seigneur me montrait comment les gens sont attaqués. Il montrait comment les gens sont attaqués. Et il y a les principes que vous ne, on ne vous a pas appris à faire. On ne vous a pas appris. Et c'est vrai que je parle ici chaque jour, mais vous vous dites toujours que c'est pour certaines personnes. Vous savez, ce que vous avez longtemps vu à l'église, je demande la bénédiction des ancêtres. Ouvrez mes yeux, mes oreilles. J'ouvre les yeux et les oreilles de toutes les personnes qui vont m'écouter. Je viens me couvrir avec la puissance du Saint-Esprit. Et je vous bénis. Je déclare que les paroles qui vont sortir de ma bouche vont vous apporter de la lumière. Ouvrez votre esprit. Je déclare aussi qu'à cette écoute, vous serez délivrés de tout joug qui vous a empêché dans le passé de pouvoir récolter ce que le Seigneur a prévu pour vous. Je vous bénis, que le soleil qui est en train de se lever ou de se coucher sur le pays où vous vous trouvez soit votre lumière. Que le Seigneur soit votre lumière de jour et de nuit. Mettez les mains sur les oreilles. Seigneur, ouvre mes oreilles. J'active aussi vos anges pour qu'ils prennent ce message et qu'ils vous le montrent comme une lumière, que ce soit une lumière qui porte dans votre cœur. Je vous sors de la pauvreté, je vous sors de l'ignorance, je vous sors de la paresse, je vous sors de l'inertie par ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui vit et règne, qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur, lui par qui nous vivons, en qui nous sommes, lui qui nous a appelés, lui qui ne nous a pas appelés pour que nous restions dans la pauvreté. Lui qui ne nous a pas appelés pour que nous soyons attachés pour toute la vie. Lui qui nous a libérés, qui est déjà mort sur la croix, qui a déjà tout accompli à la croix. Et dont nous sommes là pour pouvoir continuer les œuvres. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous devez faire attention à la religion. La religion est vide, elle est fade. La religion, c'est des rites, des rituels que vous devez faire. Sans jamais voir une percée, sans jamais voir une libération, sans jamais voir quelque chose qui a avancé dans ta vie, sans jamais voir une solution. Tu es tout le temps attaché. Tes paroles ne changent pas. Tu lis la Bible, dès que tu fermes la Bible, tu te dis, ça c'est la Bible, maintenant il faut que je sorte pour aller voir comment je vais faire dans la vie. Quand tu commences à devenir spirituel, tu deviens la parole. Tu commences à prendre la parole. Tu commences à devenir ça. Je deviens ça. Je lis ça comme si c'était moi, ça parlait de moi. La Bible, ce n'est pas seulement pour jouer. Je fais beaucoup attention à l'application TikTok. Beaucoup.
Parce que TikTok va te faire imiter quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un dont tu ne connais pas les motifs. TikTok va te faire, en anglais on dit mimic. Mimic, ça veut dire tu imites tous les faits et gestes de la personne. A dit les paroles de la personne. Sans savoir qu'ils sont en train d'utiliser un principe spirituel pour pouvoir vous prendre. Maintenant, je sors de ce truc où on dit que le diable veut te prendre pour que laisser tout ça. La façon dont le diable te prend, c'est qu'il va te distraire. Il va te mettre le doute. Et il va éloigner ta vision ou ton esprit de qui tu es réellement. Donc moi, je ne suis pas dans les combats de « Oh, tout ce que le diable a pris, il me remet. » Oh, non, il suffit juste qu'il te distrait. Parce que ton esprit est tellement puissant que tout ce sur quoi tu te concentres, tu manifestes. Ça se réalise. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter à peine. Partagez ma vidéo et donnez-moi un like pour ma vidéo. Partagez ma vidéo et donnez-moi un like pour ma vidéo. Je ne m'attends pas à ce que mon message soit reçu par tout le monde. C'est pour ça que je salue aussi mes ennemis. Donc bonjour mes ennemis. Vous voyez que je suis toujours là. Je suis toujours brune, non. Le soleil est toujours là. Vous voyez, non. Donc allez vous asseoir dans la salle d'attente de mes ennemis. Sans souci. Ce que le diable va faire sur vous, et le diable n'est pas avec la fourchette ou bien les cornes, non. Il se dissipe dans toutes les petites choses qui te font procrastiner, qui te font douter, qui te font parler avec peur et qui te font ne pas connaître qui tu es. Et aussi qui te font ne pas connaître comment utiliser les éléments de la nature. Ce matin sur TikTok, une jeune fille m'a demandé « Bonjour, bonjour monsieur l'oiseau, tu es où ?»« Bonjour, oh c'est une hirondelle. »« Bonjour. » Merci pour cette danse que vous me faites dans les cieux. Je vous bénis. Elle me dit dans le message, est-ce que tous les rites que tu montres de faire, tous les lavages là, est-ce que ça nous fait invoquer d'autres entités autres que Dieu? Écoutez, vous êtes déjà sous l'emprise d'autres entités autres que Dieu. Si tu n'as pas atteint ta destinée, tu es sous l'emprise d'autres entités. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne serait-ce que le fait que tu te lèves le matin, tout va là, non, tu es au lit, non. Depuis le matin que tu as dit que tu vas te lever pour prier, est-ce que tu t'es levé? Depuis 3 semaines que tu vas lancer ta chaîne YouTube, est-ce que tu as lancé? Oh. L'usurpation de l'ennemi, c'est qu'il se cache. Il cache ses œuvres. Il masque. Tu ne sais pas que tu es là sous l'emprise de tellement d'entités. Tu ne connais pas la paresse que tu as. Ce qui fait que depuis, tu ne lances pas ta propre entreprise. Ce qui fait que tu es touché ta soeur depuis. Ça fait 5 ans que tu es chez ta soeur. Ta soeur est mariée, elle a ses enfants. Tu fais quoi chez elle? Tu es sous l'emprise d'une entité. Tu es dans un mariage, on te tape tous les jours. Tu es sous l'emprise d'une entité. Laissez que vous ne voulez pas faire ce qu'elle dit. Observe ta vie. Si tu n'es pas là où tu veux être, tu es sous l'emprise de l'ennemi. Maintenant, vous devez apprendre. Prenez l'habitude. Parce qu'on parle, vous dit que vous maîtrisez. Apprends que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est t'amener là où tu es. Tout le jugement, tout ce qu'on t'a appris à l'église là, ça t'a amené là où tu es et tu es bloqué. Il faut reconnaître que tu es bloqué. Dès que tu touches l'argent, voilà le premier qui arrive. Non? Tu as les factures, non? Les factures qui vont prendre le 3/4 de ton salaire. Tu es bloqué, tu es attaché. Dès que tu as un peu d'argent, quelqu'un tombe malade dans la famille. Dès que tu as un petit projet, tac. Dès que tu veux faire la dalle de la maison, une maladie va sortir. Ça va. Une femme est venue pour la consultation à Yaoundé. Elle me dit, elle et son mari, ils ont construit la maison. Quand il fallait mettre la dalle, ils ont parti à la banque, ils ont pris le crédit de 5 millions.
La semaine où on a donné l'argent, l'enfant est tombé malade. L'hôpital a pris tout l'argent qu'on lui a donné à la banque. Dès qu'ils ont dépensé le dernier franc CFA, l'enfant est guéri, il est sorti de l'hôpital. Je lui ai dit que tu ne vois pas que tu es bloqué. Mais maintenant, tu es endetté. La maison là n'est pas faite. Commencez à comprendre. Donc ce matin, je vais vous apprendre à prier. Et ce n'est pas les longues prières, parce que je vous connais, vous vous laissez impressionner par les gens qui vont venir dire « Chakarababa, Arakatata, Arakatata, ma soeur, tu pries plus que moi, quittez avec les bêtises là, personne ne prie plus que vous. Vous n'aimez pas qu'on vous donne le pouvoir, vous n'aimez pas. Vous aimez que c'est une autre personne. Hé, tu es mon Dieu, prie pour moi. Vous allez me voir rarement prier pour quelqu'un. Rarement, mais je vais t'apprendre à prier. Tu ne veux pas apprendre, tu quittes sur ma page. Oha. Tu ne veux pas apprendre, tu quittes. Tu te lèves, tu pars. Quand tu vas partir, 10 personnes vont venir sur ma page. Apprenez à vous lever spirituellement. Et ça commence dans la tête. Isaïe chapitre 60. Chaque fois que Dieu dit dans la Bible que lève-toi, ça veut dire que tu changes tes pensées. Ce que tu as fait jusqu'à présent, ça t'a amené là où tu es. Depuis 5 ans, tu es bloqué. Tu es sous le même salaire depuis 3 ans. Tu n'as pas les papiers. Tu essaies d'avoir les papiers depuis. Regarde ta vie. Oh. Écoutez, j'ai une femme qui m'écrit l'autre jour, elle me dit, elle est dans une formation biblique. Vous savez que vous avez souvent les pasteurs qui vous prennent dans les faux, les trucs comme ça là. Et ils veulent toujours que ce soit eux qui soient la tête de votre vie. Vous aimez les choses comme ça. Elle dit que depuis qu'elle m'écoute, elle se lave, elle n'a encore rien acheté. Elle n'a pas acheté de kit chez moi, elle n'a rien acheté. Elle n'a pas acheté un de mes kits. Elle a seulement pris le sel, elle se lave avec. Et elle prie, comme je montre de quoi vous devez prier là. Maman, salaire de 50 000 francs. Vos églises où vous êtes tous les jours, vous êtes sur le même salaire là. Hein? Écoutez, si ta dîme ne monte pas avec moi, qui te va payer ta dîme ailleurs? Tu ne veux pas, tu laisses. En 3 jours, elle me paie la dîme. Elle a reçu 15 000 en 3 jours. 21h45, elle me paie la dîme. 500 francs. 23h45, elle paie encore la dîme. Elle dit, maman, je viens encore de recevoir 5 000. Le lendemain, elle dit, je viens encore de recevoir 5 000. Après, elle me fait le voice, elle dit que, mamie, tu sais quoi? Depuis que j'écoute ce que tu dis, je me lave avec le sel. Je vois comment ma vie entre. Donc, c'est question de jour, question d'heure. Ce n'est pas votre truc qu'on dit que, attends, dans 5 ans, Dieu va t'aider. Arrêtez ça. Si j'ai la bonne clé pour la porte, pour ouvrir la porte ici, quand il va me mettre la clé, je vais tourner, ça va ouvrir. Je vais quand même sentir parce que la clé va entrer quand même dans le trou totalement. Vous êtes là, vous déposez la clé, ne fait même pas que ça va entrer. Même 1 mm n'est pas entré. Vous êtes toujours là, que tu vous faites la même chose tous les jours. Changez votre... Se repentir, ça veut dire que je partais comme ça. Un moment, je dis non. Je me tourne. Je pars dans l'autre sens. Et c'est dans les pensées. La prière n'est pas censée être... Votre longue prière que vous faites là, c'est pas, la prière n'est pas longue. Laissez-moi tout ça. Ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai mis ça sur TikTok ce matin. Il y a les passages clés que je vous donne ici. Tous ceux qui me suivent, vous connaissez le psaume 35. Vous connaissez le psaume 91. Pas les affaires que tu ouvres la Bible, tu mets comme ça là. La Bible est active avec ta bouche. Et personne ne peut prier sur ta vie comme toi. Personne ne peut prier sur ta vie comme toi. Et ce que tu fais après la prière est plus important que ce que tu fais pendant la prière. C'est que vous allez partir prier. Oui, je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je suis. Dès que tu fermes là comme ça. Ah, je vais me faire comment pour avancer. Je n'ai pas l'argent. Je suis bloqué. Il n'y a personne pour m'aider. Tu es en train de gâter la prière que tu viens de faire. Moi, je vous dis cache. Voilà les choses qui vous bloquent. Voilà les choses qui vous bloquent. Pendant que tu pries, une idée vient à ta tête. Va poser ton application là-bas. Appelle l'office des étrangers, tu leur demandes où ils en sont avec ton séjour. Va, change d'avocat. Les idées viennent à ta tête. Hein. Dès que tu finis la prière, ah, je vais les appeler. Ils vont comment? Non, ils vont dire que comme j'ai appelé là, ça veut dire que je les presse. Ils vont refuser mon titre de séjour. Arrêtez la peur. Arrêtez-moi ça. Certains parmi vous, vous devez appeler l'office des étrangers, demander où en est mon dossier. Ça fait 5 ans que vous me faites attendre. Où en est mon dossier? Le lendemain, tu appelles encore. Vous faites comme si vous allez vous supplier. Tu as déposé une application. Si c'est non, c'est non. C'est oui, c'est oui. Et si c'est non, on te dit pourquoi on t'a dit non.
Tu fais la requête. Quittez avec vos peurs là. J'ai demandé un papier en Angleterre même 7 fois avant qu'on me donne. Et la 7e fois qu'on me donne, c'est moi qui me suis défendue. J'avais payé tous les avocats. Un jour, je reste comme ça. J'entends un témoignage à l'église. Un jeune homme dit que ouais, il a écrit au Home Office. Il a dit, ils le font une longue liste de choses qu'il demande. Il dit que il dit que je n'ai pas tout ce que vous me demandez. Je n'ai pas. Vous devez juger mon cas comme ça. La semaine qui suit, il m'écrit, il me demande encore. Il faut le test d'ADN. Il faut ceci. Il faut que tu prouves que toi et ton enfant vous êtes ici depuis tel nombre d'années. Je me suis rappelé de ce que l'homme l'avait dit. Je me suis assise, j'ai fait la lettre manuscrite. J'ai écrit avec ma main. J'ai écrit avec ma main. Sans avocat. Ni pain, ni patate. J'ai écrit. Dear sir, madame, I acknowledge that I've received your letter. However, all the things you've been asking me, I'm not able to provide them right now. So you will have to judge my case with all the evidences that I've given you. Je suis désolé, je n'ai pas les preuves que vous me demandez. Vous devez juger mon cas avec les preuves que je vous ai données. Après, j'ai dit, respectueusement votre Jocelyne Kouo, j'ai signé. J'ai pris, il y avait un petit mouchoir là. J'ai prié sur ça. Que mes anges, j'ai mis ça sur la lettre. Mes anges partent avec la lettre. C'est la personne qui va toucher ça. Tu vas me répondre positivement. J'ai envoyé 2 semaines plus tard, j'avais mon titre de séjour en Angleterre. J'avais fait 9 ans sans papier. Chaque année, j'envoie le truc. Ils font un an et demi. Ils me répondent. Oh, il manque ça à ton dossier. Il manque ça à ton dossier. Je reprends encore. Je fais encore même 3 mois. Je rassemble l'argent. Je cherche ceci. Le tout là, j'ai dit que c'est fini. C'est ta foi qui est faible. C'est pour ça que ta vie est là où c'est. C'est ta foi qui est faible. Maintenant, si tu m'écoutes, tu ne veux pas te lever. Reste au sol. Parce que je vais vous montrer comment vous allez monter. J'ai bien dit que la prière, ce n'est pas avec l'abondance des paroles. Pour moi, la prière, c'est moi qui suis en train de me convaincre que j'ai déjà ce que Dieu a dit que j'ai. Quand je prie, je suis en train de me convaincre, je suis en train de me rappeler à moi. C'est pour ça que vous ne devez pas oublier les déclarations positives. Moi, quand je prie, je prends la Bible et je fais comme si je lisais les déclarations. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière là-bas. Votre oh, oh là là, oh les gars. Et papa, je prends la Bible. Je prends la Bible. Donc, je vais d'abord vous dire ce que la prière n'est pas. La prière, ce n'est pas toi qui supplie Dieu. Oh, bonjour à ceux qui lancent. Bonjour. La prière, ce n'est pas toi qui supplie Dieu. Oh, papa, Yahweh, je t'en prie, je te supplie. Seigneur, je mets mes organes, je mets mon cœur. Seigneur. Hein? Hein? Tu as déjà vu un avocat qui se met devant le tribunal, il pleure. Libérez-la. Je vous en prie. L'article 50, section B, dit ceci. Mon client doit être libéré parce que. Si tu parles bien, qu'est-ce qui se passe? On te libère. Votre libération se trouve dans votre bouche. Et dans votre foi. Donc la prière, ce n'est pas la supplication. Tu ne supplies pas. Tu ne supplies pas. Tu ne supplies pas. Tu commandes. Pardon, écrivez, c'est là que je commande. Ta prière doit être accompagnée de tes... Tu dois prendre tes idées. Tu mélanges avec les idées de Dieu qui sont... Ça veut dire que pour prier, tu dois d'abord t'asseoir, tu écris. Tu regardes ce qu'il y a dans ta vie qui ne marche pas. J'ai lancé déjà 4 business en 2 ans. Ça n'a pas marché. J'ai les dettes de 3 millions. Mon salaire mensuel n'arrive même pas à payer mes factures. Ça veut dire que quelque part, j'ai oublié qui je suis. Ça veut dire que quand je vois les créanciers, je fuis. Je vis dans la peur. Je vis dans le doute. Et j'ai tellement douté de moi que mes paroles par rapport à moi sont déjà comme ça. Ah, je vais faire comment? Ah, Seigneur. Ah. Je dis bien que la prière, c'est toi qui es en train de te convaincre. Tu es en train de te convaincre que tu peux avoir ce que tu désires. Donc pour prier, tu dois déjà avoir tes propres idées. Donc ce que tu veux.
tu dois avoir écrit. Et ce que tu veux aussi dépend de ton niveau mental et spirituel. Il y en a parmi vous, vous ne croyez pas que vous avez droit à avoir à acheter votre propre terrain. Vous ne pensez pas que vous avez trop bonheur. Donc en demandant, tu vas dire, Seigneur, si tu peux seulement me donner, même si je loue, donne-moi une maison que je vais seulement louer. Tu ne peux pas dire que Seigneur, donne-moi pas de terrain, donne-moi pas de maison. Donc même ce que tu veux est aussi, c'est limité par ta connaissance de toi. Donc, on ne supplie pas même commande. La prière, ce n'est pas seulement mes idées. Ah, je veux. Mais tu prends tes idées et tu prends la parole. Tu t'appuies. La parole, c'est comme le code pénal spirituel. Tu prends un verset, tu mets sur ça. Tu dis, je demande ça. Et pour ça, je prends le sel, je verse sur ça. La parole est comme le sel que tu viens verser, la cerise que tu mets sur le gâteau. La prière n'a pas besoin d'être longue, mais ça doit être toi qui dis l'essentiel. Pas les hauts, parce que tu as fait une heure de prière. Oh, chata, rakata, lekotokora, shikakata, leka, tata, tarikatata. Si je ne connais pas dit tata, ça veut dire que je ne suis plus, je ne connais pas prier. Hein? Tu dois dire l'essentiel. Et si tu ne connais pas prier, c'est-à-dire tu ne connais même pas ce que tu veux pour l'instant. Moi, au départ, je disais toujours, j'ai une prière de base, Deutéronome 28, Josué 1. Tu prends, hein? Je vais m'arrêter ici, je vais donner face à maintenant. Deutéronome 28. Tu te lèves le matin, tu ne connais pas comment prier. Tu prends ce passage, j'ai personnalisé ce passage. Seigneur, parce que j'obéis à ta voix et je mets en pratique tous tes commandements. Deutéronome 28, verset 1 à 14. J'observe tes commandements que tu me prescris aujourd'hui, 30 mai 2022. Seigneur mon Dieu, tu me donnes la supériorité sur toutes les nations de la terre aujourd'hui. Voici les bénédictions qui se répandent sur moi aujourd'hui. Donc, quand tu lis au présent. Tu lis au présent. Tu ne dis pas que si j'obéis, si je deviens. Non, je suis. J'obéis par la foi au commandement de l'Éternel. Je suis. Écrivez, je suis. Vous allez voir que la prière de Deutéronome, si ça couvre tout. Là-dedans, par la foi, il sait qu'il obéit à Dieu. Et là, il dit, voilà les bénédictions. Il ne passe pas son temps à... Il y a aussi les prières. Attends, ça vient sur mon prochain point d'ailleurs. Il y a des gens qui passent le temps dans la prière à tuer leurs ennemis. Oh, tous mes ennemis sont à terre. Shandara katuri bakasha à terre. Oh, je fais le faya sur eux. Faya faya katara bata. Oh, faya kata. Yeah. Tu tues seulement les gens tous les jours. Hein? Tu tues les gens tous les jours. Tu finis de tuer, toutes tes forces sont finies. Toutes tes forces sont finies. Tout. La prière, ce n'est pas pour tuer l'ennemi, mais c'est pour déclarer qui tu es. C'est pour déclarer tes bénédictions sur ta vie. Vous passez le temps tellement à tuer les ennemis. Le feu, le feu, le feu, le feu. Ok, ok, on a compris, d'accord. D'accord. Bénis ton business. Bénis ton mari. Bénis tes enfants. Le feu. Faya. Oui. Qui meurt? Qui... Ouais, on a compris. Les anges sont là, ils demandent que tu veux qu'on fasse quoi? On bénit quoi? Regardez bien de ton nom. Il dit. Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi et qui sont ton partage. Tu es béni dans la ville. Je suis béni dans la ville de Libreville, dans la ville de Douala, dans la ville de... Bénissez-vous là où vous êtes. Combien de fois tu as prononcé la bénédiction sur toi dans la ville où tu te trouves? Mon business, mon magasin que j'ai ouvert dans la rue là est béni. Parmi tous les autres magasins, mon magasin est béni. Tu ne te bénis pas, qui va te bénir? Qui va te bénir? Pasteur, bénis-moi. Pasteur, bénis-moi. Vous savez qu'avant, hein, j'étais une intercesseuse de feu. Je passais mon temps à prier que pour les gens. Wow, Shandara Bokusa. Je fais les vœux, je prie pour eux. Après, je dis Amen, Amen, Amen. J'ai compris que si elle vous enseigne pas à vous bénir vous-même, c'est que je n'ai pas fait mon travail. Tu es béni dans la ville. Donc, tu te bénis d'abord toi-même, d'abord. Tu te bénis dans la ville où tu es. Maintenant, le verset 4, le fruit de tes entrailles. Tu bénis tes enfants. Après, il dit le fruit de ton sol. Tu bénis tes business.
le fruit de ton troupeau, tes portées. Et vous voyez que la personne s'y fait dans beaucoup, il fait dans tout. Il fait dans tout. Il dit, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros, de ton mini bétail. Ça veut dire qu'il avait les champs, il avait les animaux qui accouchaient d'autres animaux, il faisait l'élevage, il avait les employés sûrement, les serviteurs. Vous avez vu le salaire ici, là, il est salarié pour quelqu'un. Hein? C'est ça que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Il bénit même ses comptes bancaires. Ta corbeille et ta huche sont bénis. Donc là où tu récoltes, tu mets là. Ça aussi c'est béni. Combien de fois vous avez béni l'UBA? Combien de fois vous avez béni votre compte qui se trouve au truc là? Crédit donné ou bien je sais pas trop quoi. Combien de fois? Après il revient sur lui-même. Verset 6. Tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. J'ai un ami musulman qui m'a dit une fois que c'est comme ça qu'ils font. Quand ils font leur prière le matin, ils disent que je me bénis quand j'entre, je me bénis quand je sors. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Parce que les ennemis sont là. La Bible n'oublie pas qu'il y a les ennemis. Maintenant, voici comment la Bible adresse les ennemis. Sur 14 versets bibliques, la Bible parle des ennemis sur un verset, un demi-verset même. Ils sortent contre moi aujourd'hui par un chemin et ils s'enfuient devant moi par sept chemins. Réglez correctement vos prières. Réglez correctement vos prières. C'est ça qui est en train de vous attacher, vous ne savez pas. Donc tu sais qu'ils vont venir. Tout ennemi qui va s'élever contre moi aujourd'hui, je déclare que vous fuyez par cette direction différente au nom puissant de Jésus. Toute flèche qui vient à moi, je retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Et tu continues ta prière. Et tu continues ta prière. Donc, j'étais sur le point numéro 1, on ne supplie pas, mais on commande. Numéro 2, on n'utilise pas seulement ses idées, mais on mélange ses idées avec les idées de Dieu. Numéro 3, la prière n'a pas besoin d'être longue forcément, mais on doit dire l'essentiel. Donc on doit, je suis en train de vous dire les points que vous devez toucher dans votre prière. Numéro 4, la prière n'est pas faite pour seulement tuer ses ennemis. Tuer, je te tue, je te envoie dans les abysses, je te tue. Tu dois faire ça et tu fais aussi autre chose. Tu déclares qui tu es, tu te bénis. La prière n'est pas seulement faite pour se délivrer. Oh, je suis libéré. Je me délivre de toutes les chaînes. Je me libère. Ok, tu es libéré. Et puis quoi? You didn't hear me? Tu es libéré, non? What now? What now? Speak upon your life. Bénis ta vie, bénis tes possessions. Et vous devez arrêter de vous libérer tous les jours. Parce que, supposons, tu es déjà libéré. Tu commences la prière maintenant. Makati, don't talk about my hair. I'm teaching about prayer. Ok? Thank you. I see that you don't understand French. That's why. I'm talking about prayer here. Donc, tu arrêtes de te libérer. Tu te dis, ok, 30 mai 2022. Si je suis libéré, Seigneur, je prends possession de cette ville. Je déclare que mes activités que j'ai déjà lancées prennent le territoire. Je déclare que les gens, les clients s'arrêtent aujourd'hui, ils voient mon entreprise et ils consomment mes produits. Je déclare que les gens qui ne me voyaient pas me voient aujourd'hui. Je déclare que même l'autre business que je vais ouvrir là, ça s'ouvre aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Maintenant que je suis libéré, je fais quoi? Je fais quoi? It's all about taking. It's all about taking the territory. It's not about crying. It's not about begging. You don't beg God when you pray. You don't beg God. You command. You're not praying just for your ideas. You use the Bible. You mix it with your ideas. The prayer doesn't have to be very long. You need to say what is important. Go straight to the point. Say what is essential for you. You don't spend your whole prayer just killing your enemies. Oh, fire, fire, fire. Okay, after you've put the fire on them, you have to declare who you are. Praying is about you convincing yourself. Convincing of yourself that you are who God says you are. It's not about killing people. Oh, I killed my enemies. I liberate myself. Okay, now that you're free, what? Speak upon your day. Declare upon yourself. That's what you're not getting. Declare upon yourself. Speak upon your day. Prayer is not about just
casually reading the Bible is about becoming the Bible. You become the Word. You become the Word. La Bible, c'est toi qui deviens la parole. Tu deviens la parole. Je vais vous lire un passage. Josué chapitre 1. Vous allez voir le pouvoir qui se trouve dans ce passage. Josué chapitre 1. Josué, c'est juste après Deutéronome. Écoutez bien. Je vais lire ce passage comme si je priais ce passage sur moi. Verset 3. Tout lieu que je foule la plante de mes pieds, moi, Jocelyne, y compris cette terre de Libreville, la terre de Douala, toute cette terre, je la reçois aujourd'hui. Verset 4. Aujourd'hui, j'ai le territoire. Tu cites les territoires que tu veux. Depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tu peux changer, tu mets maintenant ton continent où tu es. Tu changes, tu mets le pays où tu te trouves, la ville où tu te trouves. Je déclare sur ma vie aujourd'hui que nul ne tiendra devant moi aujourd'hui, moi Jocelyne. Tant que je vis, personne ne va tenir devant moi. Je déclare que le Seigneur est avec moi aujourd'hui, comme il était avec Moïse. Je déclare que le Seigneur ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas aujourd'hui. Je me fortifie et je prends courage. Je déclare aujourd'hui que je mets mon peuple en possession du pays que le Seigneur a juré de nous donner. Je suis forte et je me fortifie aujourd'hui. Et j'agis selon la parole que le Seigneur a prescrit à Moïse. Je ne me détourne de la parole ni à gauche ni à droite, mais je regarde, je suis concentré. Je déclare que ce livre ne s'éloignera point de ma bouche. Mes paroles ne seront pas des paroles de peur ni de doute. Je vais méditer sur ce livre toute la journée et je vais agir fidèlement selon la parole. Et c'est ainsi que je vais réussir. Je déclare que The Gilgiga Academy réussit. Enfant d'excellence réussit. Toutes mes entreprises réussissent. Manger sans réussit. Et mes entreprises que j'ai même encore en projet voient le jour au nom puissant de Jésus. La parole, c'est pour que tu prennes et que tu deviennes la parole. Je deviens la parole. I become the word. I become the word. Jésus est arrivé, il a dit que la parole s'est fait chair. J'ai pris la parole, je suis devenu la parole. Et si la parole c'est dans ta bouche, personne ne peut venir prendre ça. Même pas un charlatan. Donc, quand tu pries, tu deviens la parole. Tu n'as pas seulement lire la Bible, mais tu deviens la Bible. Donc, tu adaptes ça à toi. Ta prière ne doit pas être vague. Seigneur, bénis-moi aujourd'hui. Donne-moi l'argent aujourd'hui. Tu as besoin de quelle somme d'argent? Et c'est qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ah, tu ne demandes pas à Dieu, tu n'imposes pas. Si tu n'as pas les objectifs, tu ne sauras pas si tu atteins ton objectif ou pas. Seigneur, j'ai un terrain de 25 millions que je dois payer d'ici la fin du mois. Le mois de juin, si Seigneur, je dois faire mettre la dalle sur ma maison. La dalle là va me coûter 25 millions. Parce qu'après, il faut que je prolonge, je fais ceci, je fais la clôture, je fais la barrière. Tu veux quoi? Tu as besoin de combien d'argent ce mois? Je reçois la somme de 25 millions pour pouvoir faire la dalle sur cette maison. Soyez spécifique dans vos prières. Et la dernière partie qui est clé. On ne prie pas seulement. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré dans le rêve cette nuit. Il m'a montré des gens qui marchaient alignés, qui étaient serrés. Et c'est comme si vous étiez figé, vous ne faisiez rien. La prière doit s'accompagner d'un don. C'est pour ça que le meilleur moment pour prier, c'est quand tu payes ta dîme ou quand tu fais une offrande. Même si tu veux envoyer l'argent à ton père, il y a quelque chose qui est en train de sortir de toi pour aller à quelqu'un. Il y a quelque chose qui est en train de sortir pour aller consulter une église, qui est en train de sortir pour aller... Ça, c'est un moment clé et crucial pour prier. Vous serez vraiment choqué de savoir combien de chrétiens vous espérez que vous allez recevoir rien, tout de Dieu sans rien donner. Nana, je n'ai pas besoin de tes commentaires sur ma page. Tu as compris, non? Je n'étais pas forcée pour que tu sois ici. Parlons de notre culture. Je fais les sacrifices au village. Je me base sur la Bible pour aller faire ces sacrifices. Ça ne plaît pas à quelqu'un hein, qui quitte sur ma page, qui saute et cale en l'air. Vous avez compris? Je mettrai toujours la parole dans ce que je fais jusqu'à nouvel ordre. Ça ne plaît. Si quelqu'un parmi vous a un problème avec la Bible, je m'en fous de toi. Tu as compris? Je t'ai dit mon roi, clair. Je m'en fous de toi. Voilà. Je me trouve venir. Une personne me dit sur ma page, est-ce que tu crois que les ancêtres seraient contents que tu utilises la Bible, que tu mélanges la Bible avec le tout des ancêtres?
Vous êtes bête, vous ne connaissez pas ce que vous parlez. Vous ne connaissez pas lire la Bible. Vous ne connaissez pas lire la Bible. Tout est dans la Bible. Donc ne vous contentez pas de prier seulement. Quand tu pries, assure-toi que tu fais un geste. Vous savez, quand tu payes ta dîme chaque jour, c'est parfait. Parce que tu fais tout ça, après tu prends ta dîme, tu relâches la dîme. Tu dis, Seigneur, comme je libère ça, je reçois ça, je veux ça, je veux ça, je demande ça, je demande ça. Acte chapitre 10. Je veux que vous commenciez encore à lire la Bible, mais cette fois-ci avec l'esprit ouvert. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il était pieux, il craignait Dieu. Regardez ce qu'il faisait à côté. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Oh Shandarabakasa, oh Karabakashikata. Mon peuple va périr faute de connaissance. C'est ce qui vous tue aujourd'hui. Voilà la recette qu'on vous a donnée. Voilà la recette. Voilà la recette qu'on vous a donnée. Il était pieux. Il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Le don est... C'est inévitable, incontournable, indéniable. Je suis choqué du nombre de chrétiens qui m'écoutent encore aujourd'hui. Ou non chrétien, vous ne payez pas la dîme, vous ne faites pas d'offrande, vous ne demandez rien. Dieu ne fait pas la discrimination. Il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens. Les athées, ils ne sont rien. Ils se lèvent le matin, ils disent, je veux ça, je veux ça. Ils se lèvent dans la journée, ils payent, ils font les dons. Ils prennent 10%, ils payent, ils font les dons, ils donnent. La personne là, ce sont vos employeurs aujourd'hui, ce sont vos boss. Vous là que vous êtes là, j'ai la puissance, j'ai Jésus avec moi, j'ai ceci. Va sauter du 20e étage d'un immeuble. Va au 20e étage, tu sautes, tu tombes au sol. Tu me dis si Dieu va t'empêcher de mourir. Parce que tu auras activé un principe, une loi de la nature. Apprenez les principes, s'il vous plaît. Les principes spirituels. C'est ce qui va vous faire prospérer. Bon, je vais quitter là où il y a le soleil. Monsieur le soleil, merci pour ta lumière. Voilà. Les chrétiens se voient trop l'esprit. Vous voyez trop le visage. Dieu ne va pas te bénir parce que tu es chrétien. Je ne chasse personne de l'église. Mais je veux que vous arrêtez de commencer de continuer à juger les gens. Oh, elle ne vient pas à l'église. Elle ne fait pas ça. Dieu ne te... Avant, ça me faisait trop mal au cœur. Quand je voyais des gens qui ne partaient pas à l'église, qui ne parlaient pas de Dieu, qui n'évangélisaient pas, ils étaient bénis. Ça m'énervait. Seigneur, pourquoi? Il y en a qui ont compris les principes que vous n'avez pas compris. C'est pour ça que tu es là, tu as les pouvoirs, tu as les dons. Tu pries Dieu. Tu es tout dans ton petit magasin là-bas. Petit magasin, tu fais 5000 francs de recettes par jour. Arrêtez d'être religieux. Devenez spirituel et prospère. Voilà. Quand je me suis réveillée de mon rêve, ça m'a fait mal. Parce que le Seigneur me disait, montre-leur. Quand ils activent les principes spirituels, on ne peut rien leur faire. On ne supplie pas Dieu quand on prie. Tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu dois activer cette volonté de Dieu. Seigneur, je veux que tu sais que tu veux ça pour moi. J'active cela au nom de Jésus. Tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu et tu dois activer cette volonté de Dieu pour ta vie. Je vous dis encore, la prière, c'est toi qui es en train de te convaincre que tu mérites ce que Dieu t'a déjà donné. Tu es en train de te convaincre à toi-même. Tu te déclares à toi-même. Tu t'encourages. Tu te fortifies. Et tu te fortifies pour aller faire quoi? Pour aller agir. Donc si tu finis de prier, après tu restes encore à la maison. Tu n'as lancé aucun business.
Tu n'as commencé aucune page YouTube, aucune page Facebook. Tu n'as rien fait. Tu te trompes. Écoute-moi, tu te trompes. Oh, ah. Voilà. Apprenez à faire face aux choses. Vous aimez trop vous voiler le visage. C'est seulement ma maladie. Tu ne peux pas comprendre. Je comprends quoi? Dieu, Jésus ne viendra plus mourir. Get it, ça rentre dans ta tête. Jésus ne reviendra plus mourir. C'est fini. Il est mort, il est ressuscité, il est monté. Maintenant, il nous a donné toutes les cartes. Si tu parles, après tu te laisses encore dominer. C'est ta faute. Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Seigneur. Vous connaissez la parabole qui a été inventée par, c'est pas dans la Bible, le monsieur qui reste, il dit, ouais, voilà, Seigneur, il y a inondation, il est en train de mourir. Et il y a plein d'eau, il est accroché sur un bois. Il dit, Seigneur, aide-moi. Quelqu'un vient avec la pirogue, il dit, non, moi, papa. Il demande à Dieu de m'aider. On vient avec l'hélicoptère, il demande à Dieu de m'aider. Finalement, il meurt. Il arrive au paradis, Dieu dit, mais attends un peu. Tu t'as envoyé les gens, tu as refusé. Non, moi, j'attendais ta main. Et malheureusement, l'église a fait un bon travail pour vous laver le cerveau. Vous vous préoccupez plus d'être religieusement correct. Abraham était riche. Attendez, je vais vous lire ça. Vous pensez qu'Abraham était pauvre. Le Seigneur m'a demandé de prendre tous les passages de la Bible là. Je vous montre. Je vais d'abord prendre un roi. Un roi, chapitre 3. Vous ne faites pas les coutumes. Vous ne faites pas les coutumes. 1 Roi chapitre 3. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Et là, le roi se rendit. Donc, il quitte de sa ville. Il part dans une autre ville pour faire son travail spirituel. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui quittent de France, vous venez au Cameroun. C'est un qui de France, vous venez au Gabon pour faire votre lavage. C'est dans la Bible. Il y en a que pendant que vous êtes chez moi, au village, on fait le sacrifice pour vous. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Pourquoi on n'a pas dit que Salomon a seulement prié? Pourquoi on a dit qu'il a fait les offrandes, les sacrifices? Deuxième instance, là où le Seigneur apparut encore à quelqu'un après qu'il ait fait. Genèse chapitre 15. Dans Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham donne la dîme. Plus loin, 4 ou 5 passages plus tard, après ces événements, c'est-à-dire après qu'Abraham ait payé sa dîme, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Et Abraham demande que je veux savoir comment. Dieu lui dit, il amène dehors, verset 5, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et là, l'Éternel lui dit, verset 9, « Prends un génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans. » C'est Dieu qui dit à Abraham d'aller sacrifier ça. « Un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe.
Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu. Il a pris lui-même, il a sacrifié. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Il vient, il fait son sacrifice et il dort. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, Dieu se présente encore. Il dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Le sacrifice d'animaux provoque. Ça provoque. La parole de Dieu. Ça provoque. On va dire comment? Ça brise les chaînes. Moi, elle vous dit, moi, Aurora, je ne suis pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je m'en fous. Tout mon problème, c'est que vous sortez de ce dans quoi vous êtes. Ta vie n'avance pas depuis que tu n'as pas vu. Tu n'as pas remarqué que ta vie n'avance pas? Que tous les enfants de ta mère sont bloqués? Parlons de lavage. Psaume 51, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui invente. Jean-Baptiste a lavé Jésus avec un oiseau. Ça a ouvert le ministère de Jésus. Je vais blesser les oreilles des chrétiens. Je vais blesser vos oreilles. Vous allez quitter sur ma page. Moi, ils n'insultent pas moi les pasteurs. Ils font leur commerce. Ils font ce qu'ils... Et le pire, c'est que chacun agit du mieux qu'il connaît. Chacun agit du mieux qu'il connaît. Donc, même ce pasteur-là qui te dit... C'est vrai qu'il y en a qui connaissent la vérité, mais ils vous cachent. Ils passent chez les marabouts, ils prennent les puissances, ils viennent vous endormir avec. Je ne veux pas vous mentir. Je connais au moins un marabout qui m'a dit qu'il a des chrétiens, pasteurs, qui viennent chez lui pour prendre la puissance. Certains prennent la puissance du feu. Que quand ils te touchent comme ça, là, tout ton corps chauffe. Je vous dis. Donc quand il vient, il te touche, il met la main, tac, tu sens comment ton corps chauffe. Je me dis, pourquoi ne pas montrer la vérité aux gens? C'est vrai que les gens fuient la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Vous là sur Facebook, vous n'aimez pas la vérité. Luc 4. Je cherche là où Jean-Baptiste a lavé Jésus. Bon, Marc chapitre 1. Si ça vous parle, mettez ça en pratique, vraiment. Eux-mêmes, ils savent que je n'ai pas peur d'eux. Je vais te dire la vérité. Et quand tu entends la vérité, ça résonne dans ton corps, tout ton corps. Donc, c'est comme si tu étais attaché et puis tu es libéré. Et ça vient avec la force d'aller faire. Donc, ça vient avec la force. Donc, tu restes comme ça là. Tu te lèves, tu pars maintenant faire. Tu te lèves, tu pars faire. Voilà. Bon, Marc chapitre 1 verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus a été lavé. Jean, le ministère de Jean, c'était le lavage. Il lavait les gens. Jean-Baptiste lavait les gens. Jean lavait les gens. Ça, c'est une bonne rime, ça. Oh, chakarakata. Je sens que. Ce que le Saint-Esprit a de vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que vous êtes en train de libérer. Il y a des trucs qu'on vous a dit depuis l'enfance, ça s'est bloqué dans ta tête.
tu es en train d'être libéré. Certains, c'est quand tu arrives en Europe qu'on t'a pris dans l'église. Tu es en train d'être libéré à l'instant. Tu es en train d'être libéré. Jean-Baptiste a lavé Jésus. Jean-Baptiste a lavé Jésus. Je sais que moi, quand je dis mes choses, allez dans la Bible. En ce temps, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean. Dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Peut-être qu'il était venu avec une poule blanche, le jour là. On l'a lavé, après on a pris la poule, on l'a mis sur lui. J'ouvre seulement vos idées. Moi, j'ouvre vos idées. J'ouvre vos idées. Et ouais, j'ouvre moi seulement vos idées. Moi, il dit moi seulement. Et une voix se fit entendre des cieux, tu es mon fils bien-aimé. Et aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Voilà. Le ministère de Jean, c'était les lavages. Et après, quand Jésus a commencé aussi à laver les gens. À un moment, ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus ont commencé à avoir des problèmes. Que pourquoi, si vous lavez les gens, pourquoi? C'était le lavage. On t'amène dans l'eau, on te plonge dans l'eau. C'est le lavage, non? L'église et les traditions, ils ne sont pas ennemis. Parce que vous savez, j'ai grandi avec ma grand-mère qui était catholique, paix à son âme. Maman Gisèle Mathieu, qui veille sur moi, qui avait moi d'ailleurs, je crois qu'elle est à ma droite actuellement. Ah, merci maman, merci. Ok. Elle était très pieuse, mais elle est aussi simpleton. Donc, elle partait à l'église, elle ne faisait rien d'autre. Ma mère a grandi, elle a un peu arrêté d'être simpleton. Et elle a commencé à se réveiller, tu vois. Mais malheureusement, ma mère n'est pas arrivée, c'était une étendue. Elle est morte à 38 ans. Ma mère est morte à 38 ans avant ma grand-mère. Quand moi j'ai vu les deux trucs, Jésus qui a arrêté l'église, j'ai dit que pardon, laissez tout ça. J'ai arrêté. Ma mère est morte quand j'avais 19 ans. 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. À 24 ans, on me prêche la parole de Dieu. On m'amène dans une église pentecôtiste. Et là, on me dit, ouais, tes parents, s'ils n'acceptent pas Jésus, ils sont pas bien, ils vont partir en enfer. C'est comme si on me lave le cerveau. Je commence à croire maintenant que, oh, les trucs du village, comment est-ce qu'on peut prendre la poule, on met sur toi? Comment est-ce qu'on peut... Je rejette tout de moi, tout. Je rentre dans la Bible maintenant, je commence à lire. C'est là que ma puissance s'est vraiment activée. Donc je remercie l'église pour ça. Je ne me limitais pas à l'enseignement du pasteur. Quand il finissait d'écouter le pasteur à l'église, je rentrais à la maison, je jeûne, je prie, je lis, je dis Seigneur, ouvre-moi la Bible ici. Maintenant Dieu commençait à me révéler des choses qui dépassaient ce que le pasteur montrait. Il commençait à montrer, tu n'as pas besoin d'être pauvre, tu n'as pas besoin d'être... Et là je dis, mais attends un peu. Mais à l'église, il dit que je ne dois pas, je ne dois pas. Je mettais toujours les points d'interrogation. Je disais que un jour, Seigneur, tu vas me montrer. Un jour, tu vas me montrer. Pour l'instant, je me suis retrouvée comme si je devais faire maintenant les choses pour faire plaisir au pasteur. Oui, Solange, l'hysope, c'est une feuille, c'est une herbe. J'ai l'hysope, je fais les lavages avec l'hysope. Et je continuais. À un moment, Dieu me dit, quitte la congrégation. Je demande, tu vois, quand tu demandes à un frère, tu dis que Dieu m'a dit de quitter. Il dit, non, ça ne peut pas être Dieu. Yeah, ça ne peut pas être Dieu. Donc, je suis quitté de là. J'ai exploré 3 ou 4 églises. Le ministère qui m'a appris après avoir la faveur, ministère de Bishop David et Odepo, que je bénis. Vous comprenez, moi, je ne juge aucun pasteur. Chacun fait selon sa part. Quand j'étais là-bas maintenant, on disait qu'une femme ne peut pas être appelée par Dieu. Et ça brûlait dans mon cœur. Enfin, mon problème dans toutes ces églises, c'était qu'il me disait que tu es une femme, tu n'es même pas vierge. Puisque j'avais un enfant, c'était évident que je suis vierge. Une mère célibataire ne peut pas être appelée par Dieu. Et ça brûlait dans mon cœur. Souvent, un jour, je me suis levée, même je suis partie prêcher en ville. Il fallait que ça sorte.
Et quand j'ouvre ma bouche pour prêcher, je prêche que l'amour. Dieu ne vous déteste pas. Venez à lui, Dieu vous aime. Dieu, je fais, c'était que l'amour de Dieu qui sortait de mon cœur. Quand j'arrivais à l'église, on jugeait. S'ils ne font pas comme nous, Dieu ne les aime pas. Ah, ils ont couché avant le mariage. Ils ont, Dieu ne les aime pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne donnait pas. À chaque fois, ils disaient toujours que bon, Seigneur, je ne suis pas sûr, mais bon, en attendant que tu me donnes la vérité, je vais quand même faire ce qu'ils disent. Je fais, après un moment, Dieu me dit, quitte de là, c'est bon. Donc, en 2016, j'ai eu un chagrin d'amour dans l'église. J'étais amoureuse d'un gars à l'église, le pasteur, voilà. Et puis à un moment, voilà, un truc s'est passé et il m'a quitté, il m'a laissé. Il dit, Dieu, je te servais, je faisais tout ce que tu voulais. Dieu ne te bénira pas parce que tu fais ce qu'il veut. En fait, j'ai testé toutes ces choses-là. Ça m'a, j'ai pleuré, je suis partie de l'église. Ben, d'autres choses un peu plus personnelles que je ne vais pas dire. Je suis partie de l'église. Et j'avais le don de prophétie quand j'étais dans l'église. Donc, je sors de l'église, je tombe. Donc, j'ai une amie, une fille qui avait son salon de coiffure, qui avait peut-être 7 ans de moins que moi. Elle était collectée, elle faisait des trucs d'égyptologie, tout ce qui nous reliait à nos racines égyptiennes. Donc, elle a commencé à m'enseigner ça. Et c'était tellement... Je sortais de l'église, c'était Christ, Christ, rien d'autre. Et là, je l'écoute, je dis, mais attends, c'est vrai. Et là, je tombe sur Abraham X. Et c'est là que je me rends compte que les morts ne sont pas morts et les morts parlent. Ça m'a un peu embrouillé pendant un moment. Ma mère qui était morte, ça faisait déjà, à l'époque, ça faisait 8 ou 9 ans que ma mère était morte. Je la voyais souvent dans le rêve, mais elle ne me parlait pas. Elle était à distance. Quand j'ai commencé à considérer l'option que ma mère, malgré le fait qu'elle soit morte, qu'elle soit encore avec moi, il y a des jours, je commence à méditer donc. Un jour, je suis en méditation, j'entends la voix, ma mère commence à me parler. Je dis, what the hell is this? What the heaven is this? Ok. Mais j'ai confiance, je commence, j'écoute ce qu'elle dit. Je commençais à m'enregistrer. Je vivais avec une Italienne, j'avais une colocataire italienne à ce moment-là, à Birmingham. Un matin, pendant que je médite, elle venait de perdre son père, ça faisait moins d'un an. Son père se pointe, il dit, j'ai un message pour ma fille. Je dis, chi. Excusez-moi, c'est comme ça que je fais avec Dieu. J'ai mes conversations perso avec Dieu. J'ai parfois des, ah, ouh. Nevertheless, je prends le téléphone, j'enregistre ce que son père disait. Le soir, il rentre du boulot. Je lui dis, bon, ok, ne flippe pas. Donc, souvent, les mots me parlent. Je prends donc le truc, je lui fais écouter. Elle commence à pleurer. Elle pleure. Elle me dit, il y a les trucs que tu as dit dans la vidéo, c'est que ce n'est que mon père qui connaissait. Putain, quand elle m'a dit ça, oh my God, désolé, j'ai un peu souhait. Bon, je me dis, ça m'a fait bizarre. Ça, c'était au moins en 2015, oui. Et j'étais contrastée. Ma mère ne peut pas me faire de mal. Mais comme on m'avait lavé le cerveau, on m'avait dit que ma mère est partie. Oublie la rade. J'ai encore dit, Seigneur, je ne sais pas trop, mais bon. En attendant, je vais juste m'ouvrir à la possibilité. C'est comme ça que j'ai canalisé, après canalisé les énergies des morts, beaucoup de fois. Donc parfois, j'ai des gens qui arrivent. Dès que la personne se connecte, j'ai même une femme une fois, sa fille était décédée, ça faisait déjà peut-être 5 ou 6 ans. Sa fille et sa mère, les deux personnes ont parlé. Et quand quelqu'un qui est déjà mort arrive et qui veut parler, tout le caractère de la personne s'affiche. Quand sa fille est venue, sa fille sautait dans tous les sens. Dans mon esprit, je voyais carrément ça. Et là, je dis, mais je sais pas pourquoi, mais je sens quelqu'un qui est dans tous les sens. Elle me dit, ma fille était très joviale. Ma fille était... Donc c'est vraiment... Je vous dis ceci parce que ce que l'esprit m'a enseigné, ça va différemment de ce que l'église qui a voulu me faire hold me down m'a appris. Donc quand j'ai définitivement quitté l'église en 2018, je voulais lancer mon entreprise de coaching. Et à l'église, on disait, ouais, tu veux la prospérité, alors que Dieu ne veut pas la prospérité. Dieu n'est pas ici là pour la prospérité. J'ai quitté l'église, j'ai dit, voilà, you know, walk off. Je suis partie. Et j'ai lancé mon propre église en 2019.
Ça a duré 1 an et demi. Oui. Novembre 2020, j'ai fermé l'église. Ça fait 1 an et demi avec l'église, j'ai fermé. Parce qu'à l'école, je prêchais juste Jésus, mais la partie que l'Esprit m'avait révélée par rapport aux ancêtres, je me retenais. Donc, décembre 2020, je rencontre un homme qui a étudié aussi la spiritualité africaine, la réincarnation, toutes ces choses, plusieurs vies, les animaux comme les totems. Et là, je passe 3 mois, il m'enseigne la téléportation, la sorcellerie. Vous savez, vous avez peur des sorciers parce que vous ne connaissez pas comment ils utilisent votre puissance contre vous. Et un sorcier, le mot là, on utilise ça pour vous faire peur. C'est juste quelqu'un qui s'est spécialisé dans les connaissances spirituelles et qui a appris ce que toi, tu ne veux pas apprendre. C'est un peu comme si peut-être le docteur connaît que s'il touche une partie ici, là, il peut toucher ton pouls, savoir ton pouls. Il faut qu'il mette la main ici. Si toi, tu n'as jamais été à l'école, tu vas savoir comment on touche le pouls ici. Même si tu touches ça-bas, tu vas savoir que c'est quoi. Si on ne t'a pas dit à l'école qu'il y a le cœur ici, là, quand tu vas toucher, ça va faire tout, 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 tout. Tu vas savoir que c'est quoi. Donc, c'est juste quelqu'un qui connaît plus que tu ne connais. Mais si toi-même, tu t'ouvres pour connaître, tu vas connaître aussi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Un jour, je reste comme ça, je parle avec lui, il me dit, je vais te visiter cette nuit. Il était dans un autre pays africain, moi j'étais au Cameroun. Je vais te visiter cette nuit. Purée. La nuit là, je dors dans le rêve. Je rêve que je vois, dans mon rêve, vois comment une forme humaine sort de mon mur et se place dans ma chambre. Pam, je me réveille. Directement, ça me revient à l'esprit qui m'a dit qu'il allait me visiter cette nuit. Je dis, je regarde s'il est connecté. Le matin, je lui demande, est-ce que je suis venu ici la nuit? Il rit. En fait, ça me faisait peur, mais en même temps, c'était excitant parce que c'est pour ça que vos enfants aiment beaucoup les mangas, les choses comme ça. Parce que les mangas et tout ça, ça leur parle de la puissance qu'il y a en eux. Ça leur parle de toutes ces choses que vous rejetez à l'église. On vous... Non, non. Mais c'est en toi. Imagine, tu as des capacités que tu n'as pas activées parce que tu n'as pas voulu connaître. Tu as un téléphone qui a les capacités. Tu ne connais pas parce que ton téléphone s'est fermé. Mais tu as le téléphone. Donc, il a commencé. C'est comme ça qu'il a commencé à m'enseigner. C'est pour ça que souvent vous me dites, oh, j'ai dormi, t'es vu, tu es apparu, tu es venu. Oh, ton esprit doit se libérer pour s'étendre. Pour que tu deviennes qui tu es censé être. Vous avez beaucoup de puissance en vous. Beaucoup. Et leur but, c'est que vous ne sachiez pas qui vous êtes, ce que vous pouvez faire. Et aussi que vous ne sachiez pas que vous aussi vous pouvez. Tu as construit un immeuble, tu as construit une tour. Moi aussi je peux construire. Jean 14, verset 12. Jésus a dit, je n'invente pas, c'est dans la Bible. C'est ça, quand vous prenez la Bible, vous prenez tous les passages pour juger les gens. Vous ne pouvez pas prendre ce qui est vrai, vrai là. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus a marché sur l'eau. Tu peux marcher sur l'eau. Jésus a guéri le lépreux. Jésus a ressuscité quelqu'un. Je n'invente pas. Je crois ce que la Bible dit. Et soyons honnêtes entre nous. Jésus est mort. Il est ressuscité. Donc Jésus, c'est quelqu'un qui est mort, à qui on parle.
Pourquoi il croit que ma mère qui est morte là, je ne peux pas lui parler aussi? Répondez-moi, s'il vous plaît. C'est le common sense, c'est la logique. Si tu expliques à l'enfant de 5 ans, l'enfant de 5 ans va comprendre que grand-mère qui est partie, qui est morte depuis, on peut aussi lui parler. C'est logique. C'est logique. N'ayez pas peur de vos ancêtres. N'ayez pas peur. Jésus a dit, c'est plus profitable pour vous que je meure. Parce que quand je vais mourir là, c'est là que je serai encore plus fort. Quand ta mère vivante, elle a un seul endroit. Elle ne peut être qu'à Chang. Elle ne peut être qu'à Bouddha. Elle ne peut être que, je ne sais pas. Quand elle meurt, son esprit maintenant, tu es à Washington, tu appelles seulement ma mère. Mohamed Lampard, je ne suis pas ici en train de discuter qui est Dieu, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Tu as compris? Tu as compris? Voilà. En passant, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Oui, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix. Oui, j'y crois fermement. Et que quand je prononce son nom, les démons tremblent. Oui. Fermement. Fermement. Même les musulmans, il y a certaines de vos prières. Ils invoquent Jésus-Christ. Il y en a qui invoquent même la Vierge Marie. Parce qu'on quittait le superficiel, quittez le superficiel. Le superficiel veut seulement dire, wow, comme tu ne crois pas, tu vas partir en enfer. Laissez-moi toutes ces bêtises-là. Quittez le superficiel, les petites bagarres. Cherchez à rentrer dans la profondeur de la spiritualité. Tous tes petits décepticons-là, ce sont les amateurs. Ils sont partis enterrer les choses au village sur toi. Tu vas détruire tout ça en une parole. Détruire tout ça. Vous ne vous connaissez pas. Vous bavardez tous les jours. Vous ne vous connaissez pas. Ce qui me plaît, c'est que quand je vais parler, quelque chose va... Something is going to leap inside of you. Quelque chose va sauter dans ton cœur. Tu vas savoir que j'ai toujours su ça. J'ai toujours su ça. Je ne savais pas. Il fallait que quelqu'un vienne articuler ça pour que je... Oui. Oui. Arrêtez avec vos prières, Ven là. Comment tu vas? Ah, Dieu est au contrôle. Je vais super bien, j'ai la forme, j'ai la pêche. Hey, allons gagner de l'argent aujourd'hui. Dieu est au contrôle. Si Dieu le veut. Dieu, c'est pas pour quitter avec ça. Ouf. La prière prend. Matthieu chapitre 11, verset 12. Chandarabasa. Attendez. Matthieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui prennent. C'est pour ça qu'on a pris vos possessions. Quelqu'un me contacte hier. Comment est-ce que je veux que la femme la souffre? Je veux que je dise que je ne fais pas du mal aux gens. Je peux te montrer comment toi-même tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler. Et si tu es coupable, si tu sais que la personne à qui tu veux faire du mal, là, si toi-même tu as d'abord fait du mal à la personne avant qu'il te fasse du mal, ça va retomber sur toi. Parce que vous avez peur de ça. Me contacte hier, oui, elle m'a fait du mal, elle a pris mes choses. Je veux qu'elle souffre. Je veux que son mari dise que tu es tombé sur la mauvaise personne. La nature est juste. Vous connaissez le karma, non? La nature, c'est juste. Si c'est que dans ton cœur, tu es pur. Quand tu vas commencer à faire les prières que je dis là, tu vas actionner. Ils vont tomber seuls. Tu vas voir comment ils vont tomber. Tu vas voir tes choses vont commencer à marcher. Tes choses vont commencer à marcher. Tu vas dire que yay, serious. Donc j'avais ça depuis un mois. Toute l'énergie qui vole en vous là, tous les trucs qu'ils ont mis pour puiser votre énergie là. Vous allez fermer tout ça. Mais ayez le cœur pur, ayez le cœur bon. N'oubliez pas la Vierge Marie. N'oubliez pas la Vierge Marie. Voilà une journée qui se réveille. Vous devez vous lever tôt, vous commander. Les astres sont là pour vous servir. Le soleil est là pour vous servir. La terre, si elle est là, ça va vous donner la faveur. Cette terre, tu parles à la terre. Tu prends l'eau, tu verses sur la terre, tu parles.
tu mets les, tu prépares ton bain. Si ça avait le pipi ou si vous avez, je vous ai donné tellement d'astuces pour le bain. Tu fais bouillir même le laurier, tu te laves avec. Tu prends possession de cette journée. J'active ma puissance. J'attire mes richesses. J'attire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur. Vous sentez la puissance là, non? Vous sentez ça, non? Vous sentez ça, non? Vous sentez, vous pouvez voir mes ailes. Vous pouvez voir. Je suis un général d'armée dans le spirituel. Ceux qui peuvent me voir, décrivez, s'il vous plaît. Je vais vous dire si vous avez raison ou pas. Ceux qui voient, ils peuvent voir qui sont derrière moi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous devez savoir cela. Vous devez savoir cela. Vous n'êtes pas fait pour pleurer. Vous n'êtes pas fait pour supplier. Tu as vu un général qui paye supplier. Vous devez même vous fatiguer de demander l'argent aux gens. Vous devez vous fatiguer de demander. Mais la fille, elle ne vient plus me... Elle venait avant. Elle, le matin, elle m'écrivait souvent, non? Pourquoi je lui donne les 5 000? Elle a arrêté. Elle a arrêté. Elle a découvert qui elle est. Maintenant, elle connaît. Maintenant, elle prend autorité. Grandissez, s'il vous plaît. L'armée que vous voyez, vous en avez aussi. Maintenant, vous devez arrêter de fonctionner comme si vous êtes seul. Comme si vous êtes un orphelin. Hébreux chapitre 12. Since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, let us run the race. Puisque nous sommes encerclés, entourés de tellement de témoins, courons maintenant de telle façon que nous allons gagner. À tout moment, dis-toi toujours, je suis dans un stade. Il y a mes cheerleaders, il y a mes supporters qui sont en train d'observer. Nathalie Marcy, tu as de la vision. Et merci pour tes prières. La puissance ne va pas avec peur. Absolument pas. À l'instant où tu prononces le mot peur, même en sentant la peur, tout doit sortir de ta bouche sauf le mot peur. Mon indicateur premier pour savoir que je dois faire quelque chose, c'est la peur. Quand je sens la peur dans moi, ne vous inquiétez pas, je vais faire la chose dont j'ai peur. I'm gonna do it. I'm gonna. Je vais que faire ça. Je vais que faire l'autre là. On a longtemps marché sur vous. Hein. On vous a opprimé. On vous a opprimé. On vous a simplifié. On vous a négligé. On vous a insulté. Le temps est arrivé.
vous allez vous lever. Et c'est pour ça que j'ai été envoyé, pour vous relever de votre chute. Quand je parle, vous sentez la puissance en vous, vous sentez. Ça va comme ça. Et beaucoup d'entre vous, vous allez sentir vos épaules, les plaques dorsales de vos épaules là, derrière. Ça va s'activer. Certains d'entre vous, vos ailes sont en train de pousser. Vous allez sûrement voir des plumes aujourd'hui. Ce sera un signe. Le physique et le spirituel sont très connectés. Je vous en prie, je vous dis merci. La prière que je vous ai montrée aujourd'hui, Deutéronome 28, versets 1 à 14, Josué 1, versets 3 à 8, Psaume 35, Psaume 51, commencez à les utiliser en déclarant. On n'utilise pas en déclarer. Je bénis votre journée. Je déclare que ce que vous avez écouté ici et l'activation que vous avez eue va se manifester par des revenus financiers, une libération. Ceux qui étaient emprisonnés, vous ne pouviez pas déménager, vous ne pouviez pas finir vos maisons. Je déclare que vous déménagez, terminez de construire vos maisons. Ceux qui étaient bloqués financièrement, il vous manquait peut-être l'argent du billet d'avion. Vous avez un visa depuis deux mois. Le visa va se terminer bientôt. Vous n'aviez même pas l'argent pour payer le billet d'avion pour voyager. Je libère vos billets d'avion au nom puissant de Jésus. Je déclare une rentrée d'argent soudaine aujourd'hui, une opportunité qui se présentera. Et quand vos anges vous amènent cette opportunité, vous saisissez cette opportunité au nom de Jésus. Il y en a, vous étiez sous le joug de votre belle famille. Toute calebasse maléfique qu'ils ont utilisé pour préparer vos vêtements. Ou encore tout collier maléfique qu'ils ont oint de quelque chose de mauvais et ils ont mis sur votre cou. Ils vous ont donné. Même le jouet vous dotait, ils ont mis sur vous. Je viens vous libérer de l'ensorcellement de ces colliers au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, tout breuvage qu'on vous a donné, toute nourriture qu'on vous a donnée, qui a provoqué la présence de serpents dans votre corps, qui vous contrôle, toute sensu spirituelle qu'on a mis sur vous pour sucer votre énergie. Il y en a parmi vous, vous maigrissez seulement. Vous maigrissez seulement. On ne sait pas ce que vous avez à l'hôpital. Par la puissance du Saint-Esprit, je vous libère. Prenez de l'eau. Vous priez sur cette eau, vous la buvez. Vous déclarez que tout serpent qu'il y a dans mon corps, toute possession maléfique, par cette eau que je bois, vous allez lire le psaume 35 avec cette eau. Vous allez mettre 3 pincées de sel dans cette eau. Vous allez boire l'eau pendant 3 jours. Et vous allez prendre de l'huile d'olive, vous allez bénir, vous allez vous oindre avec cette huile d'olive. Vous allez vous laver aussi, faire de lavage avec, vous mettez les lauriers et du romarin dans l'eau. Vous lavez avec ça pendant 3 jours. Vous allez vous oindre avec l'huile d'olive bénie. Ceux qui sont à Douala, vous pouvez passer chercher. Il y a de l'huile bénie à Douala, allez chercher ça. Ils ont aussi le laurier là-bas et le romarin qui vendent à Douala. Vous avez cherché l'encens 9-9. Vous brûlez ça pendant que vous faites votre lavage. Et vous demandez aussi la poudre maison hantée. Poudre maison hantée. Ceux qui commanderont à Douala là-bas. Poudre maison hantée. Écrivez tout ça. Vous commandez la poudre maison hantée. Vous allez brûler une partie de cette poudre-là. Et une partie que vous allez mettre sur vous. Donc je récapitule. L'eau, 3 pincées de sel. Tu pries dessus, tu bois pendant 3 jours. Tu te laves avec du laurier et du romarin que tu auras fait bouillir. Avec 7 pincées de sel ou 7 cuillères à soupe de sel, pas de sucre, mais tu mets du miel à la place. Voilà,
Et puis il y a la poudre maison hantée qu'il te faut pour mettre dessus. Quand vous appelez, vous demandez, vous dites que vous voulez la poudre maison hantée. Ceux qui ont la possibilité, vous demandez la poudre de désenvoûtement. Vous allez aussi boire ça pendant 9 jours. Ça va enlever. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui vous contrôlent. Notez bien poudre maison hantée, poudre de désenvoûtement, les deux choses-là. Vous buvez ça pendant 9 jours. Je vois une d'entre vous, tu es malade, tu maigris seulement. Maigris seulement, tu maigris seulement. Tu as déjà tout fait. D'autres, il y a une aussi, depuis 3 jours, on te dit d'aller faire un don à l'orphelinat, tu ne fais pas. Tu hésites. Tu hésites beaucoup. Oui, Lorraine Diva, ils m'ont aussi montré quelqu'un d'autre qui mange énormément. Je voyais quelqu'un se goinfrer. Oui, ça c'est l'effet opposé. Tu le goinfres beaucoup. Et ça te fait même le mal d'estomac. Tu dois aller faire le don à l'orphelinat, n'oublie pas. Pour se libérer, il y a toujours quelque chose que tu dois faire. La libération ne vient pas comme ça. Quand quelqu'un venait à Jésus, parfois Jésus te soigne, après il te dit que va faire l'offrande au prêtre. Quand tu es en route pour aller faire l'offrande, c'est là que tu guéris. Parfois c'est quand tu pars pour faire l'offrande à l'orphelinat, écoutez bien. Parce que c'est que vous là, vous n'aimez pas sortir votre argent pour faire quelque chose. Tu ne peux pas être chiche dans le spirituel, tu avances. Je te dis, je vous dis cache. Je n'ai pas. Même les 5 000 qu'on t'a donné là, prends ça, tu te libères avec. C'est trop dur. Depuis 6 mois, tu vis sur les dons des gens. Parce que quand on te donne, tu n'as pas la pensée que tu... Comme on t'a donné, tu peux payer la dîme de ça. Thérèse, tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Je ne sais pas si tu fais derrière tes lavages. L'esprit me montre que tu es paresseuse. Hier, je parlais avec quelqu'un. Je lui ai dit, il venait d'arriver dans un pays. Je lui ai dit, ne fais pas 1 mois là-bas sans aller à l'eau faire une offrande. Il me dit, je n'ai pas. Ok, on a payé ton billet d'avion. On a tout fait. L'argent qu'on t'a envoyé pour que tu payes ton billet d'avion, retiens un peu sur ça. Tu pars, tu fais un don. Ton patron te fait un don. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas. Ton patron, tu viens, tu travailles pour lui, mais après, il te donne de l'argent. Il y a quelqu'un qui dit que lorsque tu pries, Guy Faux Michel, quand tu pries, tu ne portes pas les péchés de quelqu'un. Tu as compris? Tu as compris? Ne vous venez pas dans les commentaires, c'est là pour détourner les gens. Hein. Comment tu peux dire que quand tu pries pour quelqu'un, tu prends ses péchés? C'est pour ça que tu as le vertige. Partez du fait que personne ne peut rien vous faire. Pourquoi quelqu'un ne peut plus pour vous là? Vous pouvez me faire quoi? C'est ce qui fait que ça, on vous endoctrine, on met la peur. Toute personne qui me dit que Dieu m'a dit de te dire que s'il y a la peur dedans, je te dis que je te chasse avec ton Dieu. Je te chasse. Comme je vous parle là, je mets la peur dans vous. Jésus a apporté les péchés de tout le monde. Ne tentez même pas. Bonjour à tout le monde. Faites attention parce que ce que vous croyez de vous, c'est ça qui va se manifester.
Ceux qui demandent la direction divine, vous êtes déjà guidés. Moi, il parle du fait que Seigneur, je connais la direction. Seigneur, je crois que tu vas me montrer. Je crois et je sais que tu me montres. Je sais que tu me parles. Arrêtez vos choses là. Seigneur, donne-moi une parole. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Si tu fais 2 semaines, tu ne vois pas quelqu'un qui va te parler. Donc Dieu ne va pas te parler. Arrêtez l'esclavage spirituel. La Bible dit que Jésus est arrivé dans une ville. Il voulait le prendre pour le faire roi. Jésus les a fuis parce qu'il connaissait ce qui était dans leur cœur. Vous venez, vous voulez m'adorer aujourd'hui. Demain, c'est vous qui allez me lancer des cailloux. C'est pour ça que je ne prends de personne. Ah, tu es trop forte, tu es trop... Je ne prends pas. Tu ne connais pas, tu ne fais même rien. Tu ne... Je ne prends pas. Tu vois ce que tu penses de moi qui va changer qui je suis. Je sais qui je suis. Toute parole qui vous enlève votre pouvoir, rejetez la parole. Mais c'est ce que tu as rêvé. J'ai rêvé, on m'a tué. Hey, on m'a poignardé. Hey, mon gars, oh, oh. Pardon, arrêtez. Tu annules le rêve là. Tout rêve maléfique envoyé dans ma direction, je t'annule. Seigneur, montre-moi s'il y a un message que je dois... Seigneur, je reçois ce message par la foi. Au nom de Jésus. Et si tu me montres un problème sans me montrer la solution, ferme ta bouche, pas avec ton problème. Pas avec ton problème. Takanam. On ne rectifie pas les choses là dans votre esprit. C'est comme ça que vous laissez dominer tout le temps. Il y a les gens ici là que même les gens, les plus grandes confréries ont déjà essayé de vous prendre. Ils n'ont pas pu. Parce que vous avez une foi en vous là que. On dit que lui là, il est trop, il a trop confiance en lui. Il est trop pur. Il est trop pur. On ne peut rien lui faire. Tiens. Oui. Tout est dans ta parole, ce qui sort de ta bouche. Certains parmi vous, vous êtes tellement tabassés spirituellement. Là, vous êtes là, en anglais, on dit bruised. You're bruised. Vous êtes abîmé. Tu vois, non, tu n'as même plus la foi. Tu prends avec les pincettes. Bah, écoutez mes vidéos, je vous en prie. Et je vous dis toujours, tout lavage que je vous dis de faire, avant de te laver, ta bouche là doit parler. Ta bouche doit déclarer. La puissance ne se trouve pas dans l'eau que tu te laves avec. La puissance, c'est dans l'acte et la foi que tu enclenches. Quand Jésus prend quelqu'un, il mélange un truc, il met sur tes yeux. Il dit, va laver tes yeux là-bas. Qu'est-ce qui soigne la personne? Qu'est-ce qui soigne? Vous pensez que c'est la puissance de Jésus? Donc Jésus est trop fort, Jésus est trop fort. Il faut que la personne passe à soi à la maison et ne pas se laver à l'eau. Il faut ne pas te laver, tu vas voir si tu vas guérir. Malgré le fait que c'est Jésus lui-même qui a pris son doigt, il a fait comme ça là. Ne pas faire ce qu'il a dit alors. C'est ton obéissance par la foi qui te sauve. Vous voyez que je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à voir avec votre délivrance. Nothing to do with that. Enlevez votre pouvoir dans la main des gens. Reprenez ça. Reprenez. La femme qui avait le sang qui coulait, elle a saigné pendant 12 ans. Elle dit que si je mange, si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit là. Et à l'autre temps, c'était interdit pour une femme dans son état d'apparaître en public. Elle se cache le visage, elle arrive, elle calcule. Elle calcule. Elle avait la foi, elle a ajouté les actes sur ça. Dès qu'elle a touché Jésus, Jésus n'était même pas au courant. Elle a pris sa guérison. She stole her healing. Jésus dit, qui m'a touché? Elle a senti la foi. Oh, le roi Wafo, comment tu vas?
mon frère de l'eau, quand il lit seulement ton nom comme ça me fait sourire. Et qui m'a touché? Il y a la foi là, une foi, la foi m'a touché. Il y a des femmes que j'ai déjà eu à travailler sur elles comme ça. Maman, la foi de la femme là, quand tu l'entends, elle arrive avec le bord, elle a le bord, elle ouvre, page 52, après par la page 153. Qu'elle a pris tout ce que j'ai dit dans mes directs, elle a noté. Toutes les prières, elle s'est assise, elle a écrit sa prière. Elle s'assoit, elle appelle ses ancêtres. Il dit qu'il y a deux que j'ai eu comme ça, les femmes m'ont marqué. Elles sont venues, l'une est venue d'Allemagne, l'autre est venue de France. Elle s'assoit, tout ce que je dis, elle fait comme moi de A à Z. Je me suis assise, elle m'a dit amen, 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 amen. Après j'ai pris le tout, j'ai mis dans l'eau, j'ai dit lave-toi. Je vous donne tout ici, hein. Tout. Elle dit, je veux un boulot où je serai comme ça, comme ça. Je veux ceci. Je déclare que mon enfant sera ça. Je déclare que ça. Je vais construire maintenant mon immeuble. Je vais maintenant faire comme ça là. Je reçois l'argent si pour faire ça. Je reçois ça, je fais ça, ça. J'ai dit que yeah. Waouh. Larissa Carole, tu ne déclares que ce que le marabout a déclaré de toi. Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? Je parle d'une don chaque jour. Prends le don, tu manges ça à 4 heures du matin, tu parles sur ta vie. Tu dis que quelqu'un a teigné ton image, qui peut te teigner si toi tu ne t'accordes pas avec la personne? Vous êtes paresseux, hein? Vous êtes paresseux spirituellement, vous êtes paresseux. La spiritualité, c'est le travail. Hein? C'est le travail. Tu es dans la voiture, dans les embouteillages. Tu écoutes ce que la reine Jocelyne dit. Tu écoutes. Après, tu t'arrêtes, tu prends notre tcha-tcha-tcha. Ou tu prends le magnétophone, tu enregistres le voice. Tu as la pause au boulot comme ça. Tu prends, tu écris, tu formules ta prière pour ta dîme. Tout, c'est la prière et la foi. Ton cœur là. Vous aimez toujours le wassa wassa. Certains d'entre vous, votre foi est à 0,2%. Il faut d'abord qu'on pompe ça. Ça arrive même à 15% avant que tu ouvres même la bouche pour dire quelque chose. C'est-à-dire, tu dois d'abord écouter. Il y a des gens qui passent toute la nuit parfois écouter mes vidéos. Ils écoutent. Tu vas voir que le matin, ta vision de toi sera différente. Le matin, la façon de te voir sera différente. Que non, je peux. Il dit encore que la prière, c'est toi qui essaies de te convaincre que ce que tu demandes là, tu vas avoir. Tu dois te convaincre que tu mérites ce que tu demandes. Effectivement, Esteban, de tous les jours. Il y a des gens souvent qui viennent me voir et disent que donne-moi une formule que je vais faire une fois pour toutes. Je dis que. Même moi. Si je fais deux jours, même une journée, je ne peux même pas là-bas. C'est déjà devenu un mode de vie pour moi. Attends que je me couche un peu et dors comme ça, là, trop, deux jours, trois jours. Tu vas arriver à un niveau où tu comprends que ton revenu même est attaché à ta bouche. Et quand je reste pour tester ma foi, je regarde, je check mon revenu de la journée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Something is wrong somewhere. Est-ce que l'un de mes employés est venu mettre sa bouche pour déclarer sur mes choses? Quand il détecte la personne, je t'adresse une fois. Et si on ne parle pas en ces termes-là, voilà comment on parle dans mon entreprise. On ne dit pas, madame, on a un problème. Je n'ai pas de... J'ai une situation qu'on va résoudre. Pas de problème ici. Il y a un problème, il y a un souci. Bah, les mots qu'ils connaissent déjà, ne tentez même pas. Bonjour le roi Feuillot.
quand vous commencez à vous habituer, vous pouvez sentir quand vous avez une attaque spirituelle. Vous pouvez sentir quand il y a une faille. Juliette, si tu as acheté ton kit fondation, c'est parfait. Continue à utiliser. Je peux pas vous dire le nombre de témoignages que j'ai eu pour les kits fondation. Le kit fondation, le kit célébrité. Il y en a qui rêvent même. Dans le rêve, Dieu dit que pas acheter le kit fondation. Dieu dit dans le rêve que achète le kit si chez la femme si. Il y a une au Togo. Elle disait toujours qu'elle maîtrisait du sait. L'esprit lui dit, achète le kit commerce. C'est ça qui va résoudre ton business, le d'affaires de ton business. Elle me contacte, elle dit que mamie, pardon, envoie-moi le kit commerce. Parce qu'elle parle souvent, c'est là vous croyez qu'elle veut vous convaincre. Elle dit que si on te convainc pour ta spiritualité, c'est quand tu n'as pas compris. Voilà le roi Wafo. Quand la parole rencontre l'acte, le corps et l'esprit font un. Oh là là. C'est tout, tu as tout dit. Parce que beaucoup d'entre vous, ce que vous dites et ce que vous faites, c'est deux, c'est comme ça là. Deux directions différentes. Deux directions différentes. Tu viens, tu dis quelque chose, tu pars, tu fais autre chose. On est terminé avec vous, hein. Moi j'ai fini pour la journée. Je commence quand on me dit de commencer, j'arrête quand on me dit d'arrêter. Donc je bénis votre journée. Chaque jour je fais une vidéo. Et ça fait au moins un an que je fais les vidéos. Donc il y a au moins 365 vidéos sur ma page. Si quelqu'un vient d'arriver ici là, qu'il met les mégas dans son téléphone. Tu ne vas pas regretter tes mégas. Tu ne vas pas regretter tes mégas. Absolument pas. Ah, tu écoutes mes vidéos, ça va ouvrir ton esprit, ça va ouvrir ton esprit. Je ne suis pas arrivé ici comme ça là, c'est un processus qui m'a amené ici. Quand tu vas commencer ton travail spirituel, tu seras bien sûr attaqué, c'est très évident. Parce qu'il y a toujours, quand tu commences, au début d'abord tout donne, ouais, après tu descends, piouf. Descends aux enfers. Tout est bloqué. Tu dis, j'aimerais commencer au travail ici. Pourquoi? Pourquoi j'aimerais commencer au travail spirituel? C'est là que tu dois tenir. Continue tes lavages. S'il y a les offrandes à faire, tu fais. Continue tout dans la même routine. Tu vois, quand tu vas sortir du trou là, tu vas commencer à monter comme ça. Là. Ouh! La spiritualité, c'est les étapes. Quand tu as l'étape où tu plonges en enfer, là, en anglais on appelle ça Dark Night of the Soul. Tu rencontres tes propres démons qui sont à l'intérieur de toi. Et c'est là que ta parole doit changer. Parce qu'avant, quand tu traversais la période là, oh, ma vie ne donne pas. C'est là que ta bouche là doit maintenir. C'est là que tu vas te lever, tu vas te prendre le même passage, tu vas lire avec la foi. Parce que c'est le temps là que tu es en train de te convaincre que ça va aller. Et c'est là que tu brises une barrière. Et ce combat là, personne ne va le mener pour toi. Voilà. Ok, sur ce, j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je bénis votre journée. Je bénis vos idées. Que ceux qui sont en train de lancer leur business, je bénis vos business aujourd'hui. Je mets la multiplication. Le moyen le plus rapide pour Dieu de bénir ta vie, c'est à travers les business. Depuis quelques jours, vous aviez les idées de commencer, de lancer un business qui est un peu plus lucratif. Un peu plus cher, mais surtout plus lucratif. Donc, je crois qu'il est temps de vous lancer. Écris la somme d'argent dont tu as besoin. Fais le bilan financier. Tu vois exactement de combien tu as besoin. Et ça devient ton nouvel objectif pour la semaine. Ok. Le don est incontournable. Ça te brûle l'estomac. Une brûlure ne va pas te tuer, non? Ok. Il y en a, ça pique tellement que c'est désagréable.
Bonne journée. Bye.